Intéressant. Kung Lao, par ici! Madame Bo. Elle est dans les vapes. Oh non! Elle est morte? Morte? Pas encore. Madame Bo, comment avez-vous... Kung Lao! Alors, Madame Bo, sont-ils prêts? Ils sont un peu têtus, sans doute, mais ils sont prêts. Ses yeux sont brillants. Je suis Liu Kang, dieu du feu et protecteur du royaume Terre. Dieu? Royaume Terre? Madame Bo vous a préparé pour ce moment depuis votre enfance. Aujourd'hui, vous vous êtes montré digne de venir rejoindre mes champions. Tout ça, c'est... un test? De vos capacités et caractères, oui. Bian, Kuai Liang. Alors, ces deux-là ne sont pas des voyous? Le clan des Lin Kuei est dévoué à la protection du royaume Terre depuis des siècles. Vous parlez du royaume Terre, vous voulez dire la Terre? Mes garçons, vous avez tant à apprendre. La Terre est une partie du royaume Terre. Le royaume Terre lui-même fait partie d'autres royaumes. Ensemble, ils composent l'univers tout entier. Les royaumes sont parfois de féroces rivaux. Nous avons besoin de champions pour défendre le nôtre. Il est bientôt l'heure du grand tournoi d'arts martiaux entre le royaume Terre et celui de l'Outre-Monde. Il se tient une fois par siècle et permet aux royaumes de faire étalage de leurs forces. Nos royaumes sont en paix, mais certains membres de l'Outre-Monde préféreraient une guerre. Notre victoire dans le tournoi pourrait les en dissuader. Je vous ai appris tout ce que je sais. Vous finirez votre entraînement avec Liu Kang. Encore un entraînement? Pourtant, on a vaincu ces deux-là. Quoi? Ils retenaient leur coup. Si cela n'avait pas été le cas, vous n'auriez pas survécu. Venez. Les moines de l'Académie Wuxi vous attendent pour poursuivre votre formation. Je suis prêt, Seigneur Liu Kang. Et toi, Raiden? Quitter Feng Jian? Ils ont besoin de moi ici. La Terre a besoin de toi. Tu serviras le village en devenant l'un de ses champions. Oui, je comprends. Excellent. Je vous rejoindrai bientôt. D'abord, je dois rassembler d'autres champions. On est perdu. On devrait faire demi-tour, vérifier la route. C'est par là. Le temple. Les fléchettes venaient d'ici. Tu peux l'ouvrir? Sans nous faire tuer? Espérons-le.
On éteint tout. Ouais, pas de doute, on chauffe. C'est dingue, pourquoi ça brûle encore? Il y a de l'huile qui suinte du sol. Doit y avoir un mécanisme. C'est ingénieux. Et son bouclier. Quoi? Bah quoi? C'est plein de métal, et alors? Mais pas n'importe quel métal. Du mercure liquide. Merde, c'est toxique ce truc. Létal. Marche pile là où je marche. Qu'est-ce que je viens de te dire? Je suis désolé. Je m'en branle. Allez, sors les explosifs. C'est ça, notre pont? Si tu foires pas, ça tombera de l'autre côté. Les Kalima! Ils existent! T'as qu'à continuer. Je vais botter le cul à ces pétasses. Le sommeil de Kataravala. Pour vos péchés, vous allez mourir. Fight! J'ai pas le temps de mourir, la folle. Tout va bien? Ouais, on est prêt? La gravité a parlé. On y va. Des millions! Non, sa place est dans un musée. Vous n'avez pas besoin, vous êtes morte.
Et puisqu'on en parle, vous venez de tuer mon meilleur ami. Et je suis pas du genre à pardonner. Fight! C'est un culte. Bon, il est où ce bouclier ? Je ne suis pas encore battu ! C'est ce que nous allons voir. Voilà qui t'apprendra. Coupé ! C'est dans la boîte ! Je le savais ! Wouh ! Je la sentais bien, celle-là. Toi aussi, pas vrai ? Temple de Kataravala. Prise 39, clap de fin. Allez, fin de journée. Steven, oh, c'était fantastique. Comme au bon vieux temps. Et ses accessoires, j'ai pensé surpasser. Ouais, toi aussi, Johnny. Dis, à propos de mon projet, là, tu sais, le truc de zombie karatéka, j'imaginais 4 films, ou peut-être même une série. Écoute, Johnny, je... Ouais, t'as raison. Pas ici. Je me pointerai à ton bureau après m'être changé. Je peux pas. J'ai rendez-vous avec les monteurs. Marsha t'appellera. Super! Ah, Marsha t'appellera, tu parles. C'était génial, mon chou. Ouais, pas mal, hein. Va falloir qu'on fête ça. Je pensais à ce qu'on se fasse une fête privée. Johnny, il faut vraiment qu'on parle. Mais tu n'es plus la star des arts martiaux que t'étais, mon chou. Heureusement que Steven t'était redevable. Mais enfin, Chris, tout va bien. Est-ce que tu pourrais redescendre sur Terre, rien qu'une fois? On est fauchés. Faut faire des économies. Des économies? Sur quoi? En premier, il faut vendre cet endroit. Faut que je m'en serve. Johnny, ça peut pas continuer. 10 000. T'as payé 10 000 pour cette sculpture. 30 000 pour ce drone. Et cette foutue épée. 3 putains de millions. Hé hey, Sento est une pièce historique. Cette épée vient de... Mais je m'en fous, Johnny! Chris, chérie, les rôles, l'argent, ça va venir! Le film de Steven, c'est qu'un début! C'est pour ça, je peux pas faire d'économie. Pour réussir, je dois afficher mon succès. Sinon, bah, c'est la fin de Johnny Cage. Mais moi, j'ai pas épousé Johnny Cage! J'ai épousé John Carlton. Et je ferai n'importe quoi pour le récupérer. Pour Chris? Oh, allez, Chris, où est-ce que tu vas? Merde! Tu l'as bien mérité, star de mes deux. Dieu merci. Oh, chérie, je... Oh,
Où est ma femme? Qu'est-ce que vous... Ta femme est partie. Elle va bien. Et ça ira pour toi aussi si tu coopères. Mais tu veux quoi au juste? Sento. T'es quoi, un mercenaire? Ou tu connais l'histoire de Sento? Je la connais. C'est l'épée de ma famille. Non. Même pas en rêve, t'es un Taira. Ils sont morts il y a des siècles. Mon clan se cache. Si je récupère Sento, je pourrai le sortir des ténèbres. Super ton plan, mon pote. À part un truc, Sento m'appartient. Si tu la veux, t'auras affaire à moi. Fight! Je suis le système de sécurité. Chez moi, bonhomme, tu suis mes règles. Bon, j'imagine que t'as un nom. Kenshi Takahashi. Je savais que t'étais pas un Taira. Tu ne sais rien, Cage. Il y a 400 ans, le clan Taira était l'une des premières familles du Japon. Il a perdu Sento après s'être fait massacrer au siège d'Aomori. Certains ont survécu. Ils se sont cachés en renommant Taira Takahashi. Pour se protéger, ils ont rejoint les Bakuto. Hein, les ancêtres des Yakuza? De famille noble, la famille du crime. Je nous libérerai de l'emprise des Yakuza. Je nous rendrai notre nom et notre position. Mais mon clan refusera de me suivre si je ne fais pas mes preuves. Pour ça, j'ai besoin de Sento. Alors ça, c'est un putain de scénar. Pas mal ton histoire, bidon. Mais pas mal. Y a de l'idée, tu devrais penser à devenir scénariste. Non mais c'est quoi ça, c'est carnaval? Bonsoir, Johnny Cage. Je suis Liu Kang, protecteur du Royaume Terre. Pouvons-nous entrer? Il n'y a pas de tournage ce soir. Vous êtes sûr d'être au bon endroit? Oui. La raison de notre venue est pressante. Nous devons vous parler à tous les deux. Quoi? Comment tu peux le connaître? Parce que je suis le dieu du feu. Oh, sacré Chris. Bien joué. Oui, d'accord. Venez, entrez. Sympa, les yeux qui brillent. Kenshi Takahashi, un homme tragique poursuivant une noble cause. Tes actions ce soir ne te font pas honneur. Qui sont ces gens? À toi de me le dire, c'est tes collègues de scène. Je connais également tes problèmes, Johnny Cage. Je suis venu ici vous proposer à tous les deux une autre voie. Tant, tant, tant. Allez, les gars, arrêtez. C'est super. Chris est vraiment adorable. Mais là, pour le coup, la blague est un peu grosse. Ce n'est pas une blague. Bian, Kwai Liang, je vous en prie. Ok, ok. Je vais le faire. Je vais le tenir, mon rôle dans votre jeu d'arts martiaux à la con. Ma femme en aura pour son argent. Ok. Hey, toi! Non.
Hé, hey, toi! Enlève donc tes sales pattes de là! Je t'ai dit d'enlever tes sales pattes de là! C'était vraiment la peine. Pour le remettre à sa place. C'était un Itchouli! Une pièce unique! Ah, ça y est, j'en ai déjà marre de votre blague! Ça va trop loin! Fight! C'est parti! J'espère que vous êtes assuré, parce que mon Itchouli va vous coûter cher. Imbécile, tu ne sais vraiment pas à qui tu t'adresses. Assez! Oh. C'est pas des effets spéciaux? En effet, Johnny Cage. Kwai Liang? Bon, retour à la case départ. T'es qui, toi, déjà? Je suis Liu Kang, protecteur du royaume Terre, dieu du feu. Ok, pour le dieu du feu, d'accord. Mais, le royaume Terre? Tu comprendras bientôt, Johnny Cage. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous ayez été tous les deux choisis pour devenir ses champions. Mais pourquoi lui? Et puis surtout, pourquoi moi? Parce que j'ai foi en vos capacités à relever ce défi. Et cette opportunité pourra changer grandement le cours de vos vies.